écoutez AMG Chaîne 3, le journal. Bonjour Walid. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition sommaire de la matinale de ce mardi 13 février. L'évaluation de la situation et des moyens de modernisation de l'agence spatiale algérienne au centre d'une réunion présidée par le chef de l'État. Entretien téléphonique entre le président de la République et son homologue mauritanien, les questions d'intérêt commun et la prochaine visite en Algérie du président mauritanien évoquée. 64e anniversaire des explosions nucléaires dans le sud à Regen, des crimes contre l'humanité imprescriptibles. En Palestine, l'entreprise génocidaire qui se poursuit, des dizaines de martyrs hier soir à Rafah, et une action devant la justice internationale qui se poursuit également. L'avocat de la cause palestinienne, Maître Gilles Devers, a salué les actions menées d'ailleurs dans ce sens par l'Algérie et son président. Nous l'écouterons dans cette édition. À quelques jours du 7e sommet international du gaz à Alger, la souveraineté sur les ressources gazières et la concrétisation de la sécurité énergétique au cœur des débats abordés par des experts internationaux lors d'une conférence organisée par la Radio Nationale. Et c'est la journée mondiale de la radio, une journée qui se dresse comme un phare, mais à l'importance cruciale de ce média dans le paysage médiatique global. Nous écouterons également dans cette édition le directeur général de la Radio Nationale. La sélection algérienne de judo, seniors, messieurs et dames, avec un total de 12 médailles, 3 en or, 2 en argent et 7 en bronze, remporte l'Open Africain 2024 organisé samedi et dimanche à Tunis. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République a présidé une réunion d'évaluation de l'agence spatiale algérienne. La réunion a porté sur l'examen de la situation et les modalités de développement de ses activités. Il a été décidé de doter l'agence spatiale algérienne d'outils techniques spatiaux les plus modernes en adéquation avec les technologies de pointe et de mobiliser les moyens financiers et les ressources humaines formées dans des spécialités de haut niveau et de pointe parmi les diplômés des instituts d'enseignement supérieur de mathématiques et de l'École nationale supérieure de l'intelligence artificielle, suivant une vision proactive à l'horizon 2040 et ce en collaboration avec les partenaires stratégiques de l'Algérie. La réunion s'est déroulée en présence entre autres du Premier ministre, du chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, du directeur de cabinet à la présidence de la République, du ministre des Finances, du ministre de la Poste et des Télécommunications et du directeur général de l'Agence spatiale algérienne. Entretien téléphonique hier du président de la République et son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazawani. Les deux dirigeants ont abordé les questions d'intérêt pour les deux pays. La visite prévue en Algérie du président mauritanien. Le président de la République a félicité son homologue mauritanien pour sa désignation comme candidat de la région Afrique du Nord à la présidence du prochain sommet de l'Union africaine. Un choix qui honore les États et les peuples de toute la région, a dit le président de la République, assurant son homologue mauritanien qu'il trouvera l'Algérie toujours à ses côtés pour mener ses nobles missions. Nous vous lisions en titre un travail de mémoire dans cette édition. Le peuple algérien commémore ce mardi le 64e anniversaire des explosions nucléaires menées par les autorités coloniales françaises à Regen dans le sud du pays. Explosions qui demeurent des crimes contre l'humanité imprescriptibles qui engagent la responsabilité juridique et politique sur la base du principe de la continuité de l'État. Hanan Saizi. La radioactivité générée par ces opérations affecte à nos jours les populations du sud du pays. Une catastrophe environnementale et surtout sanitaire. Malgré l'ampleur des dégâts, le dossier des indemnisations demeure au point mort. Ammar Mansouri, docteur en génie nucléaire. Quand on voit les malformations, il faut voir la cécité, les problèmes cardiovasculaires, les cancers, ça demande beaucoup d'argent, ça demande des hôpitaux spécialisés, des diagnostics. Et rien n'a été fait pour les Algériens. L'opération Gerboise Bleue à elle seule a touché au moins 26 pays d'Afrique. Un problème de dimension internationale, alerte docteur Ammar Mansouri. Il faut alerter l'ONU pour qu'il y ait des dispositions, pour que aussi toute la communauté internationale conjugue leurs efforts pour trouver des solutions à ces problèmes humanitaires. Sur le plan international, l'Algérie, victime de ce crime contre l'humanité, dispose des leviers juridiques pour plaider la cause. Patrice Bouvray, cofondateur de l'Observatoire des armements. L'Algérie est un acteur fort, important au niveau du droit international et il peut tout à fait contribuer, surtout en ce qui concerne les dommages issus de la colonisation. Il est tout à fait non seulement habilité, mais il a le poids nécessaire pour pouvoir peser. Et d'ailleurs, l'Algérie a mis en place une agence
nationale, il y a 2 ans, pour la réhabilitation des sites d'expérimentation nucléaire de la France. Cette agence-là pourrait être un outil efficace qui permettrait, dans les structures associatives ou les centres d'expertise, de disposer aussi d'outils pour ces interpellations conjointes. En plus des efforts consentis par l'État algérien pour le traitement de cette question, des parties de la société civile ont initié des actions conjointes pour défendre les droits des victimes dans ce dossier toxique. Et les explosions nucléaires menées par la France coloniale dans le sud du pays, ainsi important d'ailleurs dans les programmes de la radio nationale ce mardi. À propos de la radio, Le Monde célèbre aujourd'hui la journée internationale de la radio. Zoom sur l'évolution de la radio nationale, sa modernisation, mais surtout le rôle des radios locales dans l'information de proximité. Je vous propose d'écouter à ce propos Mohamed Barali, directeur général de la radio nationale. Il est au micro de Hanan Saïsi. L'État donne une importance particulière à la radio nationale comme le média le plus impactant en Algérie, puis aux radios locales qui sont le cœur aussi de ce projet médiatique qui est la radio nationale. Par exemple, la radio nationale diffuse pas moins de 1017 heures de programmes par jour. C'est un chiffre énorme, record. Et dans cette plage de diffusion, les radios locales occupent pas moins de 751 heures de programme. Donc ces chiffres prouvent l'importance de la radio nationale et surtout l'importance des radios locales. 751 heures destinées aux citoyens dans ce qu'on appelle l'Algérie profonde. Donc les radios locales sont devenues un modèle de ce que devrait être l'information de proximité. On est conscient de cette responsabilité qui est très lourde. Et la radio nationale qui accompagne, vous le savez, ce rendez-vous d'importance prévu à la fin du mois à Alger. Il s'agit bien entendu du Forum international des pays producteurs et exportateurs de pétrole, de gaz, pardon. Justement, la radio nationale, en coordination avec l'École supérieure du journalisme et des sciences de l'information, ont organisé hier une conférence sous le slogan « La souveraineté sur les ressources gazières, la concrétisation de la sécurité énergétique », une conférence animée par des experts internationaux dans le domaine énergétique et qui ont mis l'accent sur les enjeux autour du marché gazier à l'international, notamment sur l'importance de la décision souveraine. Samir Alloun. L'Algérie, pays stratégique dans le domaine de l'énergie, accueillera à la fin du mois le 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Des conférences sont organisées à l'occasion. Les experts soulignent l'importance des questions en débat, principalement liées à la sécurité énergétique et à la souveraineté du pays sur ses ressources. Raïd Al-Massari, expert en économie et questions énergétiques. Cette puissance dont dispose aujourd'hui l'Algérie et sa position géopolitique et ses richesses gazières et pétrolières fait de l'Algérie un pays stratégique important, d'autant que le pays dispose des infrastructures de base dans le domaine gazier. L'Algérie, qui est en train de revoir ses accords avec l'Union européenne, est une preuve de sa force de décision et son attachement à sa souveraineté et au principe gagnant-gagnant, ce qui est de très haute importance. L'Algérie, qui dispose d'une nouvelle loi sur les hydrocarbures et des stratégies en la matière, est mieux armée pour faire face à la concurrence. Mohamed Jemaï, expert en économie et questions énergétiques. Le forum joue un rôle important dans la détermination des prix, agissant comme un régulateur qui contribue à ajuster justement ces prix. Cependant, il est important de mentionner qu'il existe une concurrence. Ainsi, avec cette concurrence, des stratégies efficaces font la différence. Des rencontres pour mettre davantage l'accent sur le rôle crucial de l'Algérie durant le prochain rendez-vous d'envergure, de prendre des décisions souveraines en rapport avec le domaine gazier afin d'assurer la sécurité énergétique du pays. Et à propos de ce dossier, toujours la coopération croissante de l'Algérie avec des pays africains producteurs d'hydrocarbures comme le Nigeria renforce son potentiel de hub énergétique régional. C'est ce qu'indiquait le ministre de l'Énergie et des Mines dans un entretien à la revue Al-Jaish. Mohamed Al-Rab a souligné la remarquable résilience de l'Algérie dans un marché gazier mondial instable en s'imposant comme un fournisseur gazier sûr et digne de confiance. Nous vous disions en titre en Palestine, l'entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit, des dizaines de martyrs hier soir à Rafah toujours, et une action devant la justice internationale qui se poursuit également. L'avocat de la cause palestinienne, maître Gilles Devers, a salué d'ailleurs hier les actions menées dans ce sens par l'Algérie et son président. L'appel du président de la République qui a bousculé les consciences, je cite maître Gilles Devers, je vous propose de l'écouter.
cette plainte, l'écho que ça a eu, les déclarations du président algérien qui ont bouleversé les consciences dans le monde, font que, évidemment, c'est devenu une priorité et le procureur fait ce que les autres n'ont pas fait. Il est en train d'enquêter sur ce plan et donc sur notre demande qui est celle du mandat d'arrêt. Nous, il nous manque un relais politique puissant en Palestine, ça c'est certain. Et ensuite, la question des pays arabes voisinants et des grandes influences, mais de tous ceux qui ont signé les accords d'Abraham, il n'y a pas un seul État qui a même suspendu l'accord alors qu'il y a un génocide en cours. Et là, ces pays, on va lui faire des reproches, les juges, tu pourrais peut-être en faire plus, mais quand je regarde qui est-ce qui a bougé, quels sont les dirigeants arabes qui ont bougé pour la Palestine? Moi, c'est moi le procureur qui vous pose la question, ouais, en vous disant, à la CPI, j'ai 125 États, il y en a 5 qui m'ont soumis une plainte. Donc les 120 autres, génocide palestinien, c'est pour faire une déclaration, puis on n'y touche pas. Donc il y a une faiblesse politique qui est absolument considérable, et politiquement, c'est extrêmement faible. Juridiquement, on arrive à faire un étayage là-dessus, mais c'est d'autant plus d'énergie que l'encadrement ni les voisins immédiats. En attendant, le génocide sioniste se poursuit. D'ailleurs, la communauté internationale met en garde, à commencer par le secrétaire général de l'ONU, mais aussi Médecins sans frontières et l'OMS, pour le mouvement de résistance Hamas, qualifié de manœuvre sioniste pour faire capoter l'accord d'échange de prisonniers. La diplomatie palestinienne estime qu'il s'agit de pousser la population à immigrer sous des bombardements. En clair, un déplacement forcé pour le journaliste palestinien Roman Zal. Ces crimes ne sont que le prélude d'attaques plus soutenues contre plus d'1 400 000 personnes. Il est joint par Karima Bennoura. C'est une introduction à l'opération militaire qu'ils vont entamer après avoir eu le feu vert de Joe Biden. Pour les sionistes, la réussite, c'est l'assassinat des Palestiniens, tuer chaque enfant et une gloire pour eux. Les calculs pour la victoire et l'échec sont liés aux crimes, aux destructions. C'est une conviction pour eux. D'ailleurs, hier soir, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, s'est dit inquiet d'une possible offensive de l'occupation sioniste à Rafah, prévenant que quiconque violera les lois internationales sera poursuivi. Du sport également dans cette édition, avec notamment la sélection algérienne de judo, seniors, messieurs et dames, avec un total de 12 médailles, 3 en or, 2 en argent, 7 en bronze, qui a remporté l'Open africain 2024 organisé samedi et dimanche à Tunis, et puis première journée également hier du championnat d'Afrique de badminton par équipe au Caire. Et pour clore les pages de cette édition, comme vous le savez, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la radio. La radio nationale est au service de la culture, de notre identité africaine, en la préservant et en la valorisant. Fatah Boumadi. À travers ses 55 chaînes et ses différents programmes spécialisés, la Radio Nationale joue un rôle important dans la protection et la valorisation de notre identité africaine et de notre culture, et ce, dans toute sa diversité et ses formes d'art. Le 7e art en fait partie, et justement, l'auteur et critique cinéma Ahmed Bejawi revient avec nous sur la dimension africaine et le rôle de la Radio Nationale. J'ai le plaisir de collaborer pour parler du cinéma africain chaque semaine. J'ai toujours été extrêmement engagé envers l'Afrique. Je pense que l'Algérie a toujours manifesté son engagement culturel auprès de l'Afrique, sa présence en profondeur dans l'Afrique. Parce que son africanité aussi. Son africanité. La radio, c'est très important. Si dans le nord de la planète, l'image l'emporte sur le son, aujourd'hui, l'Afrique est encore dans la logique des narrateurs, de l'oral. Donc la radio a une pénétration extrêmement importante. Partout, ces émissions que nous faisons, moi je vois la réaction du public cinéphile, personne ne leur parle de cinéma, surtout de leur cinéma. Ils découvrent leur cinéma à travers la radio. La Radio Nationale a un rôle capital à jouer en matière de communication culturelle. La radio a un rôle capital à jouer à ce stade de la communication culturelle et de la communication tout court dans le continent africain. Je pense que la radio algérienne, toutes les chaînes font de la culture. Je pense que la radio aujourd'hui fait beaucoup plus pour la culture que des secteurs spécialisés. Rappelons également que tous les programmes de la Radio Nationale peuvent être suivis maintenant en streaming, mais aussi sur l'application disponible sur les deux systèmes iOS et Android. C'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.